Aujourd'hui, je suis économiste à la Banque Centrale Européenne. Je suis économiste au département politique monétaire, et plus spécifiquement dans la division marché des capitaux. Et mon travail consiste à évaluer les politiques monétaires à travers le prisme des marchés financiers, donc le marché des actions, des obligations et celui des dérivés. Je dirais que la compétence acquise à Toulouse, il n'y a pas une seule compétence, il y a un ensemble de compétences, donc des compétences en termes de modélisation, mais aussi d'utilisation des données. Et donc cet ensemble de compétences est vraiment le socle qui me sert au jour le jour dans mes fonctions d'économiste. Le diplôme TSE a été un atout. Lorsque j'ai postulé à la Banque Centrale, il a été reconnu immédiatement. Les recruteurs connaissaient l'école d'économie de Toulouse et la qualité de ses étudiants. Le conseil que j'ai à donner aux étudiants est vraiment d'oser. Notre école est connue dans le monde entier, dans les institutions internationales, et souvent, les étudiants ont tendance à se freiner. J'incite vraiment les étudiants à postuler partout, à la Banque Centrale, au Fonds Monétaire International, mais vraiment partout. On a les compétences, et nos compétences sont reconnues dans le monde.